Yo tout le monde, c'est Kyrios. Alors on est reparti pour la suite de notre aventure sur XCOM Squad Chimera, Chimera Squad, je veux dire. Je vais changer ça. Toi, t'as l'assemblage, non. Voilà, comme ça, ça c'est bon, ça sert à rien. Hop, du coup, je vais te mettre là. Et toi, non. Je peux rien faire. Donc il faudrait que je recrute encore une personnelle. C'était où? Recruter. Je me souviens plus, moi. Non. Ravitaillement. Ouais, l'androïde, non. Ça coûte cher. Armurerie. Non plus. Puis lui, toi, t'es dans les opérations spéciales. Donc, coûte 3 tours, 3 tours. Ok. Donc, il va falloir que je recrute un agent en plus. Du coup, j'ai besoin de là. Ok, découvrir une opération cachée dans centre-ville 5. Alors, je pense que ça va être 5 tours. Agitation de la cité, chaos urbain. Ok, c'est mon quartier. D'accord, bon, on est parti. Type de mission. Il existe plusieurs types de missions. Enquête, ce sont des missions de préparation, d'élimination ou des opérations. Elles apparaissent en violet et font progresser l'histoire. Et secondaires, ce sont des missions facultatives, mais elles offrent des récompenses intéressantes. Elles apparaissent en jaune et urgente. Ces missions affichées en rouge apparaissent dans les quartiers à agitation élevée. Ok, ouais, bah c'est bien ce que je pensais. Hein. Il y a des types de missions primaires, secondaires et on a les urgentes. Ok. D'après ce qu'on a vu, le Phénix Gris est équipé d'armes interdites. Nous ignorons leur provenance. C'est là que vous intervenez. Découvrez où ils trouvent tous leurs jouets. Ok. Ça, mission normale. C'est ça que je pense qu'ils annoncent en centre-ville, sur tension. Avant de faire une mission historique, on va voir pour les missions secondaires. Des fois, ça peut être bien. Sur tension. Escouade Chimère, je suis le commissaire Malouf de la police. Je serai direct. J'en ai strictement rien à faire des histoires politiques. Votre présence est la bienvenue. La police manquait de personnel avant la mort de la mère. Il y a des trous à combler et c'est là que vous intervenez. Quand vos agents sauront se débrouiller mieux que les miens, je vous enverrai les détails. Si ça pose un problème au conseil urbain, j'assumerai. Ils peuvent pas se permettre de me virer. J'ai hâte de travailler avec vous. Difficulté modérée. Les ennemis non identifiés et délibérant surchargé un pylône électrique. Ok, sur tension, émission bien reçue. Modéré, des ennemis ont capturé un opérateur de la police qui est rentré du travail. La commissaire en va demander récompense une bombe fumigène. D'accord. Donc ça c'est mission secondaire, mais on n'a pas eu de mission urgente. Et ça c'est mission principale, on va dire. C'est quoi plus de... Est-ce que c'est le niveau de difficulté ou quoi? D'accord. D'accord. On fait quoi? Une mission secondaire pour le moment et après on partira sur mission principale. Donc ça on fait la surtension qui nous gagne 35 de délirium. Et assemblage, on peut pas vraiment faire de trucs. Thank you.
truc. Ouais, comme les entraînements, je sais pas comment on fait encore. Peut-être pas pour le moment. Bon. De toute façon, lui, il est aux opérations spéciales. Il y en a un qui ira là. Garde la ville. Allez hop, on va partir. On va faire une petite mission secondaire. Je pense que ça va être... difficulté modérée. Quand on gagne 35 en Elerium. Allez, c'est parti, on va faire une petite mission secondaire. Ils peuvent essayer de protéger un objectif de mission critique qui doit être détruit. Détruisez l'appareil en question quand vous aurez le feu vert. Restez à distance si vous pouvez. Ah, porte à clavier et porte sécurisée. Ok, donc on est bon. Toi t'as ça, toi t'as ça. Grenade flash. Lui, il a la charge d'infiltration, lui, il a ça. Et toi, qu'est-ce que tu pourras avoir? Medikit. Qui est-ce que je pourrais mettre un deuxième Medikit? Le Mozart. Allez hop, comme ça, un deuxième Medikit. Voilà. Ok. Si jamais il y en a un qui est out, lui il reprend. D'accord. Bon, on est parti. Affrontement prévu 1. Ah oui, il y a juste un affrontement. Logiquement, ça devrait le faire. Après, ça risque de gagner un peu de sympathie. L'ennemi se regroupe autour de l'appareil. Allez hop, mode d'infiltration. Bon, on va mettre le bouclier, hein. Le Brutus, toi, et toi. C'est parti. Restez derrière moi. Alors, là. Ouais, surpris. Visé. Ok. En fait, déjà les deux là, je peux les éliminer. Que ce soit lui ou un autre agent. Moi, je peux même l'éliminer, lui, je pense. À part lui. Et lui. Alors on va faire lui. Il y a une visée de 65. Visée porte et là, on me surprit. Allez, vas-y, tire d'infiltration. Ah, c'était sûr. J'aurais dû faire l'autre, c'est pas grave. Toi. Bah, tu vas le tuer. Donc, il est dead. Toi. Tu t'occupes de lui. Un critique. Et toi, soit tu reprends lui. Ouais, bah tu prends lui, hein. Ok. Tout le monde en position. On est parti. Donc, normalement, il me reste plus qu'un ou deux. Voilà notre cible. Réduisez-moi ça en miettes. Il en reste un là, un ici. Ah, il est là. Lui, il est dead. Et il reste le tueur à gages qui est là. D'accord. Toi, tu vas aller ici. Ah non, c'est qui? Ah, c'est toi. Non, reste là. Hein. Même, mets-toi ici. Hein. Directement ici. Je suis en route. Ah bah. Wow. Oh, t'es juste là. Bah, c'est bon, on n'a plus que le, j'en sais rien. Abri partiel.
maintenant, reste en vigilance. Il va bouger, donc il y a de fortes chances qu'il va se prendre un coup. Ah, le tueur à gage, il est là. Je vise l'arme de la cible. Tu me facilites pas la tâche. Stabilise-moi. Allez, tranquille. Oui, il va pas faire un feu. Raté, t'es sûr. Toi. Ok. Ah, il est à l'abri. Lui, il est là. Non. Non plus. Non, mais tu vas faire lui, hein. Lui, comme ça, il est dead, hein. On va pas s'emmerder. Allez, hop, adios, amigos. Quoi, j'ai raté? Ah non, je suis dead. Lui, je l'ai pas raté. Viens ici. Je vais passer. Tu vas te mettre en vigilance aussi. Comme ça, s'il bouge, tu vas bouger. Je tire sur tout ce qui bouge. Voilà. Oh, il a eu mal, lui. Arme de la cible en joue. Aïe. Couvrez-moi pendant que je recharge. Alors, Ah, il faut le recharger. Bah, recharge. Voilà. Je dois recharger. Toi. Là. Toi, comment? T'es là. Non. Non. Tu vas aller là. Tout de suite, tu vas faire un petit bonjour. Salut. Ah, il se casse. Bah, c'est encore mieux. Ça, tu tires là. Tu le fais un joli feu d'artifice. Alors, toi, t'es ici. Joli feu d'artifice. Ah merde. Ah merde. Ah merde, ah merde, ah merde. J'aurais dû... C'est pas... C'est de ma faute. Tu peux pas te blesser là, couleuvre. Un abri partiel. On va faire un petit tir juste comme ça. Ah bah voilà. Sans faire sauter. À bientôt à sec. Recharge. Arme rechargée. Reste. En vigilance, je veux dire. Tu vas rester là parce que je sens que l'autre il va bouger. Et là, normalement, tu me butes. Je désactive l'arme de la cible. Je suis à sec. Et là, bah, recharge, hein. On va pas s'emmerder. Arme rechargée. Tu vas aller ici. Je change de position. Tu y arriveras. Toi, tu viens ici. Et alors, est-ce qu'on peut faire un truc? Ah, il y a une couverture complète. Pas faire grand-chose. Non, mais tu vas recharger un peu ton arme. Arme rechargée. J'y vais, je fonce. Là, il y en avait un autre qui est arrivé là. Oh, mais il y en a plein là. Ah, c'est le pylône. Mince. J'ai oublié de détruire le pylône. Ok. Bon, bah je sais. Toi. Abri partiel. Pylône. Tire sur le... Voilà. Arme de la cible en ligne de mire.
J'y vais tout de suite. Vous l'avez bien cherché. Aïe. Attends, toi t'es juste là, donc tac, coucou. Toi. Soit ici. Soit là. Soit là. Soit là. Allez, directement, comme ça on est tranquille. Voilà. Ça n'aura plus de renfort. Bon, allez, tranquille, comme ça je peux tuer les autres. Ah bah recharge. Hein. Et occupe-toi de lui, parce que je pense que l'autre il va morfler là. Mon arme est pleine. Je fais des vagues. Je vise l'arme de la cible. Bon, toi, un médic. Voilà. Toi. Ah oui, partiel, mais normalement tu fais mal là. Voilà. Toi. Il te reste plus que toi. Je pourrais pas la voir, ça c'est sûr. Je dois recharger. Ah bah si. Viens là, tout de suite. On va rester en... Non, en vigile. Non. Recharge. Mon arme est pleine. Voilà. Arme de la cible en joue. Couvrez-moi pendant que je recharge. Recharge. Je dois recharger. Mets-toi en vigilante. Je verrouille les ennemis. Comme ça, l'autre il va bouger et il est dead. Toi aussi. Voilà. Toi. Allez. Normalement c'est bon. L'autre il va bouger, il va s'en prendre une. Je désactive l'arme de la cible. Ah même pas. L'autre il va rester là. D'accord. Je vais aller là-haut. Toi, reste en vigilance. Je vous couvre. Prépare-toi à toute éventualité. Toi, reste en vigilance. Là, que j'envoie ce petit robot. Regarde, hop là. Voilà, c'est sûr. Bon, j'ai eu un blessé, mais c'est pas grave. Évaluation, bien. Ok. Bon, bah ouais. Allez, une de faite. L'agitation du quartier garde de triage a augmenté de 2, le centre historique a augmenté de 1 et a augmenté de 2.
Ok, continuez. Ah, ça y est, on a l'entraînement. Le conseil urbain a nommé le conseiller Parada au poste de député-maire jusqu'aux prochaines élections. Le conseiller Vortou a exprimé son mécontentement après la réunion. Il était opposé à la politique de la maire Nightingale. Un nouveau titre n'y changera rien. Le député-maire a répondu « C'est une épreuve pour nous tous. Mon but est simplement de tenir le flambeau jusqu'à l'élection d'un nouveau maire. Rien de plus, rien de moins. Nous vous tiendrons au courant de la suite des événements. » Ici Céliodage pour la chaîne 37. Ok. L'évolution de l'anarchie, évolution de l'anarchie et de l'agitation, entraînement en ligne. Et j'en ai trois qui sont en promotion et un qui est cicatrice de la jambe. D'accord. Alors. Quand vous n'êtes pas en mission, vous devez entretenir vos aptitudes physiques et mentales. Et pour ça, rien de mieux que l'entraînement. Grâce à ça, vous pourrez aussi vous remettre plus facilement des blessures de longue durée. Et puisqu'il y a des blessés parmi nous... Je suis juste là. C'est le meilleur moment pour s'en occuper. Après tout, la vie de vos camarades dépend de votre bon rétablissement. Alors soignez rapidement vos blessures. Ce serait dommage de le regretter à long terme. Ok. L'entraînement est une tâche pour un seul agent, comme les opérations spéciales. Chaque agent a sa propre liste d'entraînement disponible lui permettant de soigner ses cicatrices, améliorer ses statistiques et même gagner de nouvelles compétences. Ok, validé. Bah toi. Ok, Godmother, lui, qu'en pense PV, plus 2 points de vie, réflexe intensifié. Déjà un conditionnement, ça c'est... Ouais, c'est pas grave, pas pour le moment. Vas-y. Tu reviens ici. En plus, j'ai des promotions qui sont prêtes. Donc, évolution de l'anarchie, de l'agitation. L'agitation, oui, de la garde de triage. Ah ouais, mais je peux... D'accord. Je pense que vous savez déjà où se trouve l'armurerie. Chacun de vous y a un casier. Et c'est aussi là que nous annonçons les promotions de terrain. Ce que je suis en train de faire. Encore un morceau de ruban. Félicitations. Je trouve que tout ça manque sérieusement de gâteau. Alors, promotion de l'agent. D'accord, attends. Godmother tire avec l'arme fusée à pompe pendant l'infiltration et voit son tour avancer dans la chronologie. Godmother gagne également un point d'action bonus à son tour. D'accord. D'accord, il rend 2 points de PV. C'est pas mal. Voilà. D'accord, donc en fait c'est le tank ça, c'est vraiment le tank pur. L'ennemi concentre ses tirs sur Cherub et ignore toutes les autres unités XOM à ce point d'infiltration. Bloque tous les dégâts et gagne un point de charge. Ok. Et boitement. Ah, les cicatrices est apparu quand l'agent a été mis à terre. Opération boitement. Ah, lui c'est la mobilité. Et il perd en esquive. D'accord. Bélier. Oh, ça c'est pas mal ça. Du coup, ça serait pas mal de mettre lui en premier, de mettre lui en deuxième, et puis après on met les autres là. Ok. Cicatrice de l'agent. Ah, il perd 3 en mobilité, oui. Je
mur. Qu'est-ce qu'on avait? Non, peut-être là. Android, médic. D'accord. Là que je suis obligé de faire quand même des missions prioritaires. Non, c'est pas ça. Juste un truc, je voulais bien savoir. Ok, bah, je suis obligé de supprimer un des trucs là. Donc toi t'es dans les opérations spéciales, ce qui me permettait d'avoir plus de crédit, mais si je peux même pas le envoyer un mec. Donc ah c'est chiant ça. Je sais pas comment on fait pour avoir plus de monde. Ah, vas-y, comme ça moi je perds l'opération spéciale, c'est pas grave. L'assemblage, voilà. Donc on est parti. Donc je suis obligé de faire. Alors. Traquer les voleurs d'alliage. Faire celui-là déjà. Ok. Toute la ville est secouée par la mort tragique de notre mère. Mais... après tout ce que notre cité a déjà traversé, je sais qu'on en ressortira encore plus fort. N'y allons pas par quatre chemins, Roger. Comment peut-on se sentir en sécurité quand même nos élus se font enlever et assassiner? Vous avez tout à fait raison. C'est une tragédie. On doit ni oublier ni pardonner. Certes, mais comment avancer? La tension est palpable dans chaque rue et dans chaque foyer.
Ensemble, Glurko. C'est comme ça qu'on avance. Notre cité a déjà connu son lot d'épreuves et de menaces, mais c'est qu'ensemble qu'on trouvera la paix. J'espère que vous avez raison. Ok, alors c'est quoi ? Évolution de l'anarchie et de l'agitation. Ok, assemblage terminé. Ça c'est bien. Nouveauté de ravitaillement. Ah, forcément supplémentaire. Ok, et Mac d'esquive de 50. Oh, ça coûte cher quand même. Qu'est-ce que j'ai là? Donc j'ai celui-là, mission. Ah, je peux toujours rien faire. Lui, il a l'entraînement. Opération spéciale, je peux rien faire. Assemblage, qu'est-ce qu'on a? Explosif. Ah, on va faire ça. Ça coûte 4 tours. C'est pas grave. Non, c'est ça que je voulais. Donc on est parti là. Opération spéciale, bah, je peux rien faire. Hein. Faut que je sélectionne quelqu'un, mais je peux pas. Ravitaillement. L'inventaire, qu'est-ce que j'ai moi? J'ai rien du tout. Donc il faut que je jette comme medikit. Et on va renforcer un peu quand même mes bonhommes. Je vais en prendre un. Il m'en sera plus que 5. Bon bah voilà. Hop, et on part là, et on part alors soit dans le service rendu, c'est quoi? Difficulté modérée, les nouvelles unités de vipères, un contrebandier local a demandé à notre aide pour échapper à une attaque imminente. En échange, il nous transmettra des informations sur notre opposition. J'ai 25 en renseignement et renforcement supplémentaire. Voilà. Session de préparation, difficulté modérée. Ok. Bah, de toute façon, déjà avant, on va s'arrêter là. Hein. On a fait nos petites missions secondaires. Alors, il faudrait que je fasse aussi des missions prioritaires en même temps. Donc, il faut faire ce qu'on va dire, ça, c'est presque pas vraiment 50-50, mais il faut gérer entre les missions secondaires et prioritaires. Donc. C'est quand même un petit peu compliqué. C'est pas vraiment compliqué, mais voilà, j'ai fait une mission secondaire. J'aurais peut-être dû faire une mission prioritaire. C'était pour l'histoire. Ça aurait peut-être changé quelques trucs, mais tu vois, il y a de l'agitation. Donc, garde de triage, il y a de l'agitation. À Renova, il y a de l'agitation. Et ici, il y a de l'agitation. Centre historique aussi. Mais là, on peut pas faire grand-chose parce qu'on a rien du tout. Donc, je pense que dans le prochain épisode, on va refaire une autre mission ici. Je pense que j'aurais pu faire une mission secondaire dans ces lignes-là,
faire dans, je veux dire, dans cette vidéo, faire la mission prioritaire, et puis dans la prochaine vidéo, mission secondaire, mais c'est pas grave. Donc du coup, pour la prochaine vidéo, on va faire une mission secondaire. Du coup, moi je vous dis ciao ciao à tous et à la prochaine.